In het begin van de 20e eeuw ligt de geboorte van modernistische architectuur. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Marcel Breuer. Namen die al gauw de wereld veroveren. Maar ook hier bij ons verrijzen er tussen de Belgische zadeldaken stilaan modernistische woningen met internationale allure. Dit wordt een onvergetelijke zoektocht naar onze eigen grootste modernistische architecten. Jos van den Breede is gelauwerd erfgoedarchitect en medeoprichter van het Sint-Lucas-archief, waar ook de belangrijkste plannen en maquettes van onze woningen worden bewaard. Vandaag kiest Jos voor Albert Bontridder. In 1942 studeert hij af als architect. Maar hij heeft ook een grote liefde voor poëzie en breekt in de jaren 50 door met succesvolle dichtbundels. Als architect ontwikkelt hij een poëtische stijl. Hij houdt van schuine wanden en mijt zoveel mogelijk rechte hoeken. Een woning is voor hem een kokon, een warm nest. In de jaren 60 schrijft hij een belangrijk boekje over de huidige generatie modernisten. Die wordt volgens hem veel te weinig gewaardeerd. Voor het eerst brengt hij zo de grote Belgische modernistische architecten samen. De titel alleen al, dialoog tussen licht en stilte, is poëtisch. En daar haalt hij met een inzicht dat ongelooflijk is, de echte pioniers naar boven. Het was de eerste keer dat na de Tweede Wereldoorlog zo'n theorie werd opgeschreven. Maar hij had ook een geweldige afkeer van hoe weinig dat die Belgische architectuur gewaardeerd werd. Al in de jaren 50 bouwt hij voor zichzelf dan? Ja, hij bouwt op een zeer eigenaardig terreintje. Dat ook hellend is, op een relatief smal perceeltje. Midden in de natuur in die tijd. En hij hecht veel belang aan de schuin opgestelde wanden. En ook de zichten die bijvoorbeeld vanuit de eetkamer en het salon naar dat kleine binnentuintje worden geleid. En de wanden gaan open. Antiperspectief is. Het perspectief sluit niet, maar het gaat open. Het moet geen makkelijk perceel geweest nee, zijn. Nee, maar architecten zijn dikwijls belust om te bouwen op moeilijke percelen. Ja. Okay. En dan nog die schuine wanden daarop zetten, in die helling. En proberen daar een aantal kleinere niveauverschillen in te brengen, is wel een uitdaging voor een architect. Bontridder hield wellicht van zo'n omsloten gehele waar hij met zijn familietje zich thuis voelde. Ja, hij was bescheiden, hij was introvert ook. Ja. Ik denk dat hij architectuur bedrijft vanuit de emotie, vanuit de poëtische kant, zoals hij ook zijn gedichten opbouwt. Albert Bontridder sterft in 2015. En zijn zoon Thierry, die beeldhouwer is, besluit om terug in het ouderlijk huis te gaan wonen. Oh, wauw. On découvre vraiment le living, hein, comme ça? Je vais trop vite. Ah, c'est génial. Oui. C'est pas des grandes pièces, pas vraiment grandes, c'est une petite maison, mais les perspectives et les angles ouvrent comme ça la vue. Et puis, évidemment, les grands baies vitrées. C'est étrange parce qu'en fait, elle est construite avec trois rectangles, celui-ci, le rectangle des chambres et un rectangle pour les ateliers. Mais ces trois rectangles sont organisés, si on voit le plan, simplement avec une rotation à 15 degrés. Et puis, tous ces murs sont déterminés par la rencontre de ces trois rectangles et les 15 degrés. Et donc, ça libère.
un espace et une vision tout à fait différente. Je crois que l'influence de la poésie de mon père oui. est très très grande dans son architecture. Ah, okay. L'implantation est un peu particulière. Il y a beaucoup de voisins ici, hein? Dans le temps, la rue était encore encendrée, sans égout. Il y avait quelques maisons, je pense quatre maisons. Et donc tout est devenu un quartier plus coté, puisque les Bruxellois sont sortis de Bruxelles de plus en plus. Beaucoup a changé. Beaucoup de choses ont changé dans les alentours, avec des maisons qui sont collées à nous. C'était donc le bureau d'architecture de mon père. Il y avait les tables de dessin d'architecte. Il était plus particulièrement vraiment orienté comme ça. Il avait la vue sur l'atelier de peinture de ma maman, qui est donc artiste peintre. Et donc mon père voulait travailler à ses côtés. Il était très amoureux d'elle. Tous les tableaux ici, sauf un, je crois, sont de ma mère. Et j'aimais bien que je sois là, il me donnait un morceau de calque quand j'étais tout petit. Et je me mettais ici à dessiner. Donc il m'a entraîné, ils m'ont vraiment entraîné vers des expressions artistiques. Donc maintenant, je l'ai transformé dans un atelier de petites maquettes pour mes projets de sculpture et de bijoux. Et donc je me retrouve dans le même endroit, travailler à la même place. Ça fait une émotion, évidemment. Je ne sais pas décrire cette émotion, mais c'est une émotion. Et je crois me souvenir que quand j'étais petit, on mettait de l'eau propre dans le bassin et on me mettait dedans. Et ici, c'est l'intérieur, c'est juste... Je suis assis juste là, sur la tablette. Ouais. Et tu as quel âge, ici? 5 ans environ, j'ai l'impression. C'est comment vivre dans la maison de tes parents? C'est comment, ça? Je crois que j'ai fait beaucoup de travaux dessus, parce qu'il fallait, évidemment, pour l'améliorer. Et en même temps, c'était une façon de me l'approprier à moi, ne pas être dans la maison de mes parents. Donc, j'ai là, en quelque sorte, dû la reconstruire en partie, l'améliorer, l'isoler, enfin tout. Et c'était une façon de me l'approprier. Et ça a mis quelques années. Maintenant, je me sens chez moi. Mais avant, je me sentais un peu, effectivement, chez mes parents.